Fonctionne. Le chemin jusqu'au sommet va être dur. Tu croiseras des machines cruelles à chaque tournant. Corrompues ? Non. Mais elles ne laisseront pas passer un humain. Parce que d'habitude, oui. Des traqueurs dans la lande. Et des veilleurs de l'autre côté.
Elle pense peut-être défendre Gaïa. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Ça y est, il neige. J'y suis presque. En effet. Thank you.
vieillard. Fais des réserves. Sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu? En partie. Tu verras. Tu m'as préparé un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines? Depuis quand les machines t'empêchent de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Préparer un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines? Depuis quand les machines t'empêchent de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Regarde en bas, regarde pas. Exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi, tu es là. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la relancer, mais... quand on voit les dégâts, je vois pas comment. Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hadès avant d'essayer de la réparer. Elle a raison. Sinon, Hadès pourrait se servir du nouveau système de terraformation comme d'une arme. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins... pratiques. Mais... tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa? Tu sais ce que les Creusets peuvent faire. Ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine. De la même façon, ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer Gaïa. Mais ça prendrait des années. Et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures. Bon, je crois qu'il est temps. Oui. Quand tu auras trouvé le système de sécurité, tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Regarde où tu marches.
Une cinquième batterie. Elles doivent pouvoir se placer quelque part. Je vais devoir passer par là. Faut pas réfléchir, juste foncer. Je n'aurais pas pu te donner meilleur conseil. Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein? Eh bien... Non, ne dis rien. Oh, ça c'est fait. Essayez par le haut. Sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand-chose. À l'époque, tout ça était entouré de roches et de métal. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanlay. Le Focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hadès et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure.
Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les cerveaux moteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors, en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vite calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va, ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça, on a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Balade, Lise. Et... Un de ces quatre. Oui. Prenez soin de vous, d'accord? Lise. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission. Elisabeth Soubek. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Aloy ? Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi... est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre ? S'il te plaît, juste un instant. Arrête de réfléchir et écoute tes émotions. Elle s'est sacrifiée pour ses amis, pour le futur, pour la vie sur Terre. Ce qu'il y a de généreux dans son acte, ça ne te fait rien du tout. Tu veux voir dans sa décision quelque chose de mystique. C'était un choix rationnel, pas un acte basé sur les émotions. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie, des armes contre le désespoir. Sans ses émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies... perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être... Quoi ? Rien. On continue. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. No.
Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant. Je n'ai plus accès au système. Autorisation alpha annulée. C'est quoi autorisation Omega? Oh non. Personnel alpha. Ne paniquez pas, mais je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir. À notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents. Des esprits purs. Et irréprochables. On va leur donner le savoir? Comme si c'était un don. Ted, on en a déjà parlé 100 fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède, et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie? Non, je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice... Ted, ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant si, Samina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout à voler. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis. Mais parfois, pour protéger des innocents, d'autres doivent mourir. Ceci est une alerte. Il les a tués. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse. Tout ce que ces gens avaient accompli. Tout le savoir des anciens. Évaporé. Réduit en poussière. Renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Ne te rattrapera pas.
Tu es... là ? Pas pour longtemps. Quoi ? C'est maintenant que nos chemins se séparent, Aloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais... travaillé pour l'Éclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès, Aloy. Enfoui dans cette montagne, dans cette épave de titan. Et je l'ai aidé. Quoi ? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de ? J'ai aidé à créer l'Éclipse. À fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridian. La flèche. À ton avis, pourquoi Aloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots Pharo en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'Éclipse, les robots qu'ils ont réveillés, il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Oui. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu ne l'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Éclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Alors vas-y. D'abord, ce focus. Que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave, à la nécropole par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde, ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche ? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Et les Karjas de l'ombre ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? La guerre civile des Karjas est tombée à point nommé. Une occasion parfaite. Une occasion ? C'était ça, pour toi ? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridian la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler.
Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahavas. Elis aussi était présent. C'est ainsi que l'éclipse est née. Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridien. Mais Hadès n'avait que faire de Méridien. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruines et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis, j'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Un défi technique passionnant, particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. Pourquoi tu as retourné ta veste? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveiller d'anciennes machines avec ma technologie. Alors j'ai questionné Hadès sur ses intentions. Un peu tard. C'est vrai. Et je ne lui étais plus d'aucune utilité. Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Et à quel moment j'entre en scène? Pourquoi je t'intéressais? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détectée. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille Nora? Quelle importance pour Hadès? Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille Nora portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Elis a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrais enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais, Aloy. Tu as fait des erreurs, Silence. Mais tu as aussi cherché à les corriger. Je peux pas dire que tu y sois arrivé, mais tu as essayé. Soyons clairs, Aloy. Je ne changerai rien à ce que j'ai fait. Quelques précautions, peut-être. Mais presque la même chose. Vraiment. Ton histoire manque de morale. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité, et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça? Exactement. Ah, pas de problème. Silence! Tu vas aller où? Ailleurs. Et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là, en attendant. Thank you.
Je dois prévenir Avad que les clans s'apprêtent à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Oui, il faut...
Je te laisse. Que voient mes yeux? Une chasseuse, sans doute. Viens, parlons un peu ensemble. Je devrais être en train de combattre. Bon, il va être temps de retourner au boulot. Allez. Si tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Je suis garde. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian ? Une menace. Elise dirige un groupe de fanatiques appelé l'Eclipse. Ils s'apprêtent à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur ? Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyez des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent, sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'Hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi ? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes ? Oui, assistés par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche ? Eren et l'avant-garde y sont ? En effet. En train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin Delverson te soit réservé. Tu peux y dormir, ou essayer.
Je me demande ce qu'il y a là-dessous. C'est pas une grotte, c'est une ruine. Il n'y a pas de batterie dans ces appareils. Il faut que je trouve des batteries pour les faire fonctionner. Voilà, ça rentre. Je dois encore en placer une, et de deux. Ça ressemble à un code. Je crois que les anciens utilisaient ces nombres pour indiquer le temps. Il y a peut-être des indices dans les environs. Quelque chose pour me montrer comment ça marche. On dirait qu'il y a quatre positions différentes. Peut-être que si je les mets dans la bonne position... Et voilà, je devrais pouvoir entrer. Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. J'ai qu'à placer correctement ces batteries, et ça devrait être bon. Plus que deux. Plus qu'une. Et voilà, c'était la dernière. Ces chiffres, ça marche. Maintenant, il faut que je place correctement les cadrans. Ça doit former un code. Et voilà. Bon, voyons un peu cette armure. Bon, voyons ce que je peux faire avec ça.
Laissez-moi ou tu as lustré ton armure, Ikid ? Bien sûr. C'est pas un petit peu... Quoi ? Rien. Les océrames sont allés trop allez, loin, dis-moi. Aloy, je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir ? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire ? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Si des machines ou des bandits essaient de passer, ils vont passer un sale quart d'heure. Je plaisante pas. Le prince Itamen est en vie et de retour au palais. Gloire au soleil. Plus haut que la cime des arbres. Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas. Nous triompherons. Je le jure, par ma lance. Bonjour, Aloy. Non, ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi ? J'ai vu... des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux vraiment savoir ? Très bien. Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nul autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me... mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein ? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil ? Non.
Je serais venu, rien que pour te revoir. Et parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi, tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Alors, c'est qui les ennemis ? Le nom de leur groupe, c'est l'Éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand la lune passe à l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait ? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah. Oui. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein, les gars ? Et l'avant-garde, elle est où ? En première ligne ! Et pourquoi ? L'acier, nous devons le faire ! Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils se relèvent plus ! Et ouais ! T'as vu ça ? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne. Du roi Soleil Avad ont sauvé le prince Itamen des Karja de l'ombre. Ils ne peuvent plus prétendre au trône. Combien d'ennemis tu penses pouvoir tuer au combat ultime ? Je ne me verrai pas. Autant qu'il le faudra. J'adore quand tu parles comme ça, Assis. Alors c'est toi, Aloy ? Je m'attends... C'est-à-dire ? Plus imposante, plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océram ? Quel champ de bataille ? Les combats ont pas encore commencé. Petra la Forgeronne, je viens des hauts blocs. J'y retourne à la prochaine tempête de sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Je peux essayer ? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. Pas besoin de viser précisément. C'est pas comme un arc.
s'apprête à attaquer. Le logement d'Oline. Il fait vide. Est-ce que je dors? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire? Tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules. Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille. Silence ? Tu es là ? Pourquoi je demande conseil à un fantôme ?